Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. Fifi. Oh là là, là elle aime bien. Elle aime bien qu'on gratte le cul là. aujourd'hui. Alors, un petit achat que j'ai fait pour la broderie dans la boutique Poussière d'Étoiles. Voilà, la boutique à Sabine Chauvet. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Et un petit peu de temps en temps, régulièrement, j'essaye de faire une commande. Et là, cette fois-ci, c'était la box. Donc, la box du mois d'août, box broderie. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas ouvert avant de faire la vidéo. Oui. Donc, j'aurai la surprise en même temps que vous. Alors, c'était super bien emballé. Bon, j'ai enlevé les deux grosses enveloppes quand même. Donc, déjà dans une pochette comme ça. Une enveloppe craft. Et donc, voici la box que j'ai reçue. Attends, mon bébé. La box que j'ai reçue donc de Sabine. Toujours super bien emballée avec le petit stickers. Alors, j'ai juste enlever le scotch d'un côté. Et maintenant, on va, si Fifi veut nous laisser, hein, on va découvrir ce qu'il y a dans la box. Alors, j'ai pas envie d'arracher le papier. Oui, mon bébé. Oui, maman. Allez, hop. Voilà. Alors ça doit être mon article supplémentaire. J'avais pris un petit article en plus. Donc pareil. Bon, ma fifi, je t'aime. Maman, elle t'aime d'amour. Mais allez, va un petit peu là. donc le premier paquet qui ne fait pas partie de la box, je vous dis, c'est un achat que j'ai fait en plus. Donc toujours le petit stickers. Alors, dans ce petit paquet, c'est quoi ça? Alors, il y a un petit sachet, voilà, avec la carte. Hop, là, vous la voyez à l'envers, mais je vous la remettrai à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit sachet? C'est le petit cadeau. Allez. Bon, ça veut pas. Ah, si, ça y est. Alors, j'ai le petit sachet de thé, comme toujours. Fruits rouges, sachet fraîcheur. Ah, c'est peut-être un qu'on met dans l'eau froide. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, c'est un petit sachet de thé aux fruits rouges que je goûterai. Et là, en petit cadeau, un petit carton comme ça, très joli, avec une plume. Et ici, alors ça, c'est un stickers, voilà, d'une jolie fleur. On dirait un edelweiss, mais je ne sais pas si c'est ça, mais bon, voilà. Donc ça, c'est le petit cadeau avec le sachet de thé. Et voilà. Donc, toujours un joli stickers. Je récupère les stickers, ils sont trop jolis. Alors, j'essaye de ne pas le déchirer quand même pour pouvoir le récupérer. Je crois que quand on reçoit ces enveloppes, on est tout à faire attention à quand on déballe pour bien tout garder. Alors. Il veut pas sortir. Il veut pas montrer le bout de son nez. Bon, ah voilà, j'avais peur de devoir arracher le petit sachet. Et voilà, donc c'est un aimant à aiguille que j'ai pris.
La petite tasse de thé, justement, avec les petites fleurs, en violet. Donc là, vous pouvez les avoir en aimant à aiguille ou alors en aimant pour le frigo. Voilà, donc il faut juste choisir quand vous faites votre choix. Donc voilà, l'aimant, ça reflète un peu. Et donc vous avez votre deuxième aimant. Vous mettez ça sur votre toile, comme ça. Et le deuxième aimant en dessous de la toile. Voilà. Et comme ça, quand vous brodez, ben, vous pouvez poser votre aiguille dessus. Vous ne la perdrez pas. Voilà. J'aime beaucoup ces aimants. J'en ai déjà plusieurs. Et puis le petit mot de remerciement, comme elle met toujours. Voilà. Donc ça, c'était pour mon petit achat supplémentaire que j'ai fait. Maintenant, on a la box en elle-même. La voici. Bon, désolé, hein, vous voyez à chaque fois l'envers. J'essaierai au montage de voir si je ne peux pas remettre à l'endroit. Alors, c'est la box broderie de août. Thème cœur fleuri. Oh. Alors, quelqu'un qui a envie de m'embrasser. Une fiche de broderie, un aimant à aiguille, un fil teinté main, une toile teintée main et une surprise inédite. Voilà tout ce qu'il y a dans la box. Donc, on a toujours son petit sticker derrière. Alors, attendez, là il y a un petit scotch. Voilà. Et voilà, je n'ai pas déchiré le sticker. Oh, oh. Ouh là 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 là. C'est beau déjà. Alors, on regarde, il n'y a plus rien dans le sachet. Il n'y a plus rien. Alors, oh, c'est fait une petite corne, mais c'est rien, c'est le papier. Ouh là, plein de belles choses. Alors, hop, hop, hop. Alors déjà, elle y met sa petite carte, comme d'habitude. On a le droit à notre petit sachet de thé. Donc là, c'est la verveine, sachet fraîcheur. Ah non, sachet fraîcheur, c'est le sachet en lui-même qui veut dire sachet fraîcheur. Donc je pense que ça se fait comme du thé normal, enfin du chaud. Le petit mot de remerciement, comme d'habitude. Et ici, les explications pour la toile. Alors, je vous le dis, Fifi, mon bébé d'amour, mon bébé d'amour. Merci. Alors, vous venez de commander une toile teintée main de la création poussière d'étoiles Sabine Chauvet. Alors, il est préférable de ne pas laver la toile. Si toutefois vous voulez la laver, pensez à utiliser une lingette décolore stop et de préférence à froid. Les toiles peuvent être déformées, ceci est dû à l'eau bouillante durant la teinture et l'essorage. Merci d'avoir choisi mes créations. Bonne petite croix, au plaisir, poussière d'étoiles. Voilà, ça c'est le petit mot d'explication qu'elle met pour que l'on se serve bien qu'on utilise bien la toile. Alors, je vais vous montrer quoi en premier. Bah, écoutez la grille. Je vous montre la grille en premier. Alors, voilà. Très joli. Alors, un cœur fleuri avec de jolies couleurs. Il y a combien de couleurs dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bah 14. Il y a 14 couleurs dedans. Voilà. Donc vous avez les explications derrière avec les références DMC dont vous aurez besoin pour faire cette toile. C'est une broderie qui fait 180 sur 180 points. Donc vous ferez sur une toile carrée. Là, elle vous dit de surfiler les bords de votre toile hein, d'environ 1 cm, puis plier votre toile en 4 pour trouver le centre, etc., etc. Elle vous donne les explications. Voilà.
Donc pour après ça vous ça dépend sur quelle toile vous allez broder pour avoir la comment la taille dont vous aurez besoin. Il existe un site internet hein, très simple pour ça, calculateur de toile ou je sais pas. Je vais vous remettre le lien. Alors là c'est super simple, vous mettez la taille en point de votre broderie, donc là 180 sur 180, vous mettez la marge que vous voulez, donc 5 cm, 10 cm, et après vous choisissez votre toile, donc l'Aïda, d'Étamine, enfin il y a l'Aïda et après il parle en fil, donc 10 fils, 11 fils, 12 fils, etc. Ça vous met aussi si vous voulez broder en un fil ou en deux fils, puisque là, du coup, la taille de la toile ne sera pas la même. Donc, vous remplissez tout ça et puis vous appuyez sur calculer et vous avez tout de suite la mesure de la taille de la toile dont vous aurez besoin pour broder. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, on a. Alors ça, je pense que c'est une boîte, oui. J'ai pas d'ongle pour moi l'ouvrir. Ah, voilà. Hop, oh, je sais à quoi elle va me servir, cette jolie boîte. Voilà. On pourra y mettre des marqueurs ou. Donc voilà, une jolie boîte en métal qui ressemble bien au, voyez, à la broderie. Ensuite, un fil. Comment? Pain à la main, j'allais dire. Teint à la main, voilà. Bon, en plus, c'est marqué devant moi. Alors, c'est du coton mouliné DMC qu'elle a teint elle-même et ça s'appelle Cœur Fleuri. Voilà. Regardez ces jolies couleurs. Trop, trop belles. Du turquoise, un peu de saumon, voilà ça, avec un dégradé ici, vous voyez, le dégradé dans le bleu, après il y a du saumon très très pâle, vous voyez, vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, pour aller avec ce fil, eh bien, nous avons la toile. Oh. Alors, nouveauté chez, ben c'est la deuxième fois, je crois, chez Sabine. Quand vous prenez la box, vous pouvez choisir votre toile, c'est-à-dire de l'Aïda ou de l'Étamine. Moi, j'aime beaucoup l'Étamine, donc je choisis l'Étamine. Et voilà la toile teinte à la main avec des petites taches bleues, saumon. Super belle. Alors, en mesure, elle fait 30, ouais, 40 sur, bon, je ne vais pas compter la marge là, puisqu'il y a le galon du tissu. 30, 35, 40 sur 35. Voilà, oui, là j'ai pas compté puisque là ça compte pas. Très très belle. Et regardez avec le fil, vraiment super beau. Ensuite, deux derniers petits cadeaux dans la box. C'est l'aimant à aiguille. Oh, il est magnifique. Super beau. Voilà. Trop, trop beau. Et donc, je vous montre. Hop, voilà. Vous voyez, c'est exactement le même dessin que la broderie. Vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Sabine, tu as encore fait fort dans ta box, hein, elle est vraiment superbe, ta grille est magnifique.
J'ai hâte de pouvoir la broder. Bon, peut-être pas tout de suite, hein, parce que je pense que tu as vu sur mon Insta ou même sur Facebook que j'avais beaucoup de boulot en broderie et en tricot. Mais il me tarde de la faire quand même. Voilà. Donc là, je vais vous laisser. Je vais vous mettre des photos à la fin pour que vous découvriez mieux ce que j'ai reçu. Je vous mets le lien de la boutique de Sabine, le lien de la box, et je vous mets également un code promo que vous pouvez vous servir dans la boutique qui vous donnera 10% de remise sur votre commande. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, je vous mets ici le code. Et maintenant, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous! Thank you.